Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 30e épisode de Let's Play sur Epic Battle Fantasy V. Alors, nous sommes toujours donc dans la forêt. Est-ce qu'on a des choses à faire? Non, on n'a pas de quête à rendre, donc on est parti. Une autre de ces étranges créatures. Celle-ci possède une sorte de pince de crabe, il s'agit d'une version alimentaire d'eau. Ok, ça on avait déjà. Ici, non. Ça sert à rien. Déjà, on va prendre le coffre qui est là. Allez, de base. Je les ai tous capturés, très bien. Donc, voyons un peu. Le feu pour les trois de glace, déjà. Le bio, c'est bien aussi. La terre, c'est bien aussi. Et ça, c'est la terre sacrée. Ok. Alors, on est parti. Donc, on va commencer par les dégâts de zone. Hein. Un petit peu de feu pour tout le monde. Même chose pour Lens. Un petit dégât de feu pour tout le monde. Très bien. Et enfin, pat-pat du sacré. Non, c'est la terre le mieux, mais j'ai pas de terre. Donc oui, du sacré, hein, dans ZDS. Sur la main squelettique qui est là. Ah, zut. Celle-là est de glace. J'ai pas fait attention. En plus elle s'est barrée. Ok, donc la deuxième. Voilà, vague 2. Ok, du sacré pour tout le monde. Une seule cible. Donc là, sacré-terre. Sacré-terre et sacré-terre. Ok. Peu importe laquelle. Sacré-terre, donc je vais changer. Je vais prendre Anna. Vous pensez pouvoir vous dispenser de mon soutien? Nous verrons ce que ça donne. Très bien. Et Anna en sacré, déferlement sacré sur tout le monde. Tant dommage. Affaibli, chance est accrue pour les altérations d'état, coup critique, précision, la capture des monstres, immunise contre la mort subite. Ok, c'est parti. Sur lui. Voilà. C'est raté. Bien. Super. Ok. Et pas de pas, tu termines. Voilà. Tout ça m'a donné envie de prendre un bon bain. Ok, comme ça on peut ici atteindre le coffre. Pitaya, Pitaya et écaille de dragon. Alors, il y a un popcorn qui est là. On peut se faire ce monstre-là. Qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est de la foudre, et ici, du feu, du vent et du ténèbre. Et bien on va commencer par la foudre. Bon. Alors toi. Eh ben. Tu aurais prouvé des cadavres attaquent entre les tours à les doses de dague et le sort.
Ok, donc. Voilà, très bien. Maintenant, du ténèbre pour... et du vent. Très bien. Et ouragan sur tout le monde. Voilà. J'imagine qu'elle n'est pas juste une... qu'elle n'est pas juste une petite peste finalement. Elle peut lancer de puissants sorts tout comme moi. Très bien. Non mais oh, calmez-vous là. C'est fini de taper sur Anna. Ok. Alors, pas de patte, tu fais 9 vies. Ici, du vent, du sacré, du vent, du sacré, du vent, du sacré. Eh bien, on va faire du sacré, hein. Celui du milieu qui a déjà été touché. Néanmoins. Et Anna, elle tire... voilà. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi puissant à la fois dans le domaine de la magie et du combat physique. Peut-être aurais-je dû essayer ses cours d'arts martiaux, finalement. Ok, très bien. Miaou. D'accord. Ok, donc toujours vent et sacré compétence, danse des DS sur la chauve-souris d'abord. Un deuxième coup. Très bien. Voilà. Toi, tu continues. Et Anna, tu tires et normalement... Non, non, pas assez. Ah bah voilà. Troisième vague. Bon, laissez... Ouais, laissez pas de patte tranquille, ouf. Bien, il a tenu Hound. Oups, je me suis encore évanoui. J'ai manqué quoi? Ok, toi, tu vas faire Sushi Cat là. Sur le pipistrel sanguine qui est là. Voilà, alors toi, c'est vent, foudre, glace, bio. Et vous, c'est vent et sacré. Bon, bah, foudre. Ça fait un pipistrel en moins. Là, je vais faire du vent. Très bien. Ok, en moins. Du sacré, oui, du sacré, c'est bien. Sur lui d'abord. Voilà. Ça fait un coup en plus comme ça. Vent et sacré, bon ben. Voilà. Très bien. Et on prend le coffre. Eh bien, on va encore se faire l'ours, mais d'abord on soigne un peu, on va voir un peu les compétences. Donc, pour Matt, voilà. Nathalie, on va essayer de... Alors, résurrection, ça, oui.
le soin au max aussi, hein. Donc effet halo 5, résistant, il me redonne le statut halo. Tsunami, ça me paraît bien. On va faire siphon. Et c'est tout. Lens. Alors, Lens, toi, tu vas améliorer ton bio. Voilà. Ultra laser. S'utilisant deux tours, charge à première utilisation. Et c'est l'élément de l'arme qui dépend. Ouais. Là aussi, l'élément de... L'élément de l'arme. Bon, on va améliorer. On va améliorer les. Voilà. Les limit bike. Anna. Bon bah, tu vas améliorer un peu. Voilà. Et pat. Déjà le blindage. Et tu peux améliorer, voilà. Ok. Donc là on est parti. On tape l'ours. Très bien, on a un mammouth. Donc feu bio ténèbres. Feu bio pour l'ours brun. Feu bio ténèbres pour l'ours polaire et feu bio, bon bah ok, hein, il y a deux feux bio ténèbres et deux feux bio. Bon, on va faire ténèbres, hein. D'abord l'ours blanc ténèbres, hein, c'est bien ça, ouais, c'est lui qui a le moins de vie. Na brasier sur tout le monde. Et toi, tranche herbe sur tout le monde. Voilà. Déjà un en moins. Prière d'offrir mon corps à la science, du moins ce qu'il en reste. Ok. Ici, on va faire 9 vies, hein, direct. Ce n'était rien, je me sens tout requinqué. Toi, tu vas faire un soin. Soin majeur, hein, sur tout le monde. Et toi, tu continues dans le bio. Au moins, essaie d'avoir le scolaire. Non, non. Toujours aussi dégueu. Ok, donc là on va faire un peu de bio. Non, le ténèbre sur l'ours polaire. Voilà, très bien. Ici du feu sur les deux. L'ours brun normalement devrait. N'aurait dû. Voilà, et rafraîchissement sur Anna. Ok, très bien. Ça pique. Alors le bio sur l'ours brun, très bien. Anna, tu soignes Nathalie, d'accord, pourquoi pas. Alors, Navi ne peut plus. Donc, dans ces cas-là, tactique, on va ramener Lens. Alors, ici, toi, tu es en ténèbres. Très bien. Tiens, le mammouth laineux, je ne l'ai pas encore capturé. Alors, ténèbres, bio et feu, toujours. Un peu de ténèbres. Un peu de bio.
bon. Déjà, on va prendre Matt à la place de Lens. 22 000. Lens, tu vas envoyer un peu de feu. Il va ressusciter. Ah non, même pas. Mince. On s'en fout du combat. J'ai la dalle. Je vais juste m'enfiler un petit encas. Alors, qui en demande, hein? Dommage, j'ai pas eu le mammouth. J'ai tapé trop fort. Ok, à partir de là, hop, on glisse là pour avoir le coffre qui est là. Très bien, on continue. Alors, il y a un mammouth un peu spécial là. Qu'il faudra que je fasse pour avoir le coffre qui est là. D'accord. J'ai perdu mon visage dans le blizzard. En gros, il a congelé et il s'est décroché. Mais je garde la tête sur les épaules, je suis déjà content d'être en vie. Heureusement que t'as ces sous-titres du coup, sinon on aurait du mal à comprendre ce que tu racontes. J'arrive pas à savoir si ce truc serait un allié ou un ennemi, il a l'air un peu neuneux. Je me sentirais mal pour lui si je l'épargnerais. Un face-à-face entre deux fantômes, ils ont l'air vraiment réalistes. Alors... il n'y a pas moyen de bouger ces blocs pour arriver là. Alors déjà, on peut prendre ce coffre, mais ouais, c'est un ennemi. Je l'ai vu bouger. Alors les feux follets, c'est bien. Un peu d'eau, ça leur fait du mal. Ouais, c'est l'eau, la terre, le bio et le ténèbre. Compétence, on y va, on est parti. C'est lui qui a déjà eu des dégâts, donc c'est lui que je tape en premier avec pas de patte comme ça. Ah oui. voler aqueuse sur tout le monde. Très bien. Voilà, très bien. Pas de pas, tu les termines. Ou pas. Ouais, toi, tu soignes. Voilà. Ensuite, ah, des nouveaux. Ah, enfin, un dragon qui paraît normal. Il a l'air plutôt puissant. Très bien. Allez, 9 vies. Zéro, d'accord. Toi, tu vas scanner. Dragon Oméga. Combien de jeux ça fait que les dragons n'ont toujours pas de corps? Remarque, c'est peut-être mieux comme ça. Ben, ça fait 5, hein. Alors, voyons un peu... Bio, ténèbres. Il est soigné avec le feu, il est soigné avec le sacré. Bon, bah du ténèbres. On va faire un dragon à la fois. Ah, il est toujours ok. Anna, tu vas soigner son altération d'état. Et eh ben non, toujours pas un berserk. On va mettre un peu de bouclier là. Tu crois que tu peux nous mordre la couenne et espérer t'en sortir comme ça? En vrai, c'est possible si on fait pas attention. Ok, bon, on continue. Mais non, pas lui! Ok.
tactique, on va changer, on va prendre... On va prendre Nathalie. Nathalie, tu vas faire un... Alors ici, jugement, attaque sacrée surpuissante qui écrase une seule cible et donne ses points de vie, non. Soin majeur sur Matt. Anna, tu viens taper le dragon. Oh non, ça arrive. Alors, Nathalie, le limite break 7ème ciel, comme ça. Ouah, pourquoi je peux pas m'empêcher de regarder? Elle a un corps de rêve. Très bien. Ah, Matt peut enfin taper. Non, la glace, ça fait rien. C'est le bio et le ténèbre. J'ai pas de ténèbres, mais j'ai du bio. Et il fait mal. Ici, Mère Nature, en bio. Hop. Wow, on l'a fait finalement. Je pense qu'à ce niveau, on peut relever n'importe quel défi. D'accord. Donc ici, bioténèbres... Bon, bah, pulsation déjà. Et toi, on continue. Bon, j'avoue que hein, le 7ème ciel a aidé. Hein. Très bien. Je suis toujours dubitatif quant au fait de traîner avec des ennemis aussi puissants. Voilà. Hop, un trésor, c'est du popcorn. Ici, je dois aller là, comme ça je peux. Des boules de neige. Ok, il n'y avait que ça. Là, il y a un coffre. Très bien. On va peut-être pas tenter le nouveau mammouth. Pas tout de suite en tout cas. Je vais descendre et on va se faire le gluant. Sorbet gluant, je l'ai pas encore eu lui. Hein. Ok, alors feu, bio, feu, plasma et ténèbres. Toi, c'est feu, plasma, ténèbres aussi. Feu bio. Donc je vais faire du bio déjà. Sur tout le monde, en espérant que Sorbet Gluant ne prenne pas trop cher. Très bien. Comme ça, Matt, tu peux venir récupérer le Sorbet Gluant. Très bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à taper. Bon, on va faire du feu. Hein. Voilà, très bien. Alors, il charge. Non! Bon. C'est pas grave. Toi, tu vas te mettre en défense. Et toi, tu vas... feu, plasma, ténèbres. Ici, c'est plasma. Tu vas faire... Voilà. Très bien. Ok. Besoin de soigner tout le monde. Matt, il tape comme un taré. Et Anna. Ok. Il n'y a plus que lui. Lui, donc, c'est de la glace et du plasma. Très bien.
Bon bah voilà. On a été vite. Très bien. Donc ce qui fait que ici je peux prendre ce coffre là. Je peux pas venir ici parce qu'il faut faire le mammouth. Je vais peut-être pas faire le mammouth tout de suite. Je regarde un peu. Non, il n'y a pas de quête à terminer. Bon, on va s'arrêter là en fait hein, pour cet épisode. Et on reprendra dans le suivant. Donc merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.